Bonjour à toutes et à tous. Retour ici à l'événement de l'IDAT en direct du Palais Brongniart. Vous êtes nombreux à nous suivre depuis ce matin. Les échanges sont passionnants, les enjeux sont nombreux. On va beaucoup parler notamment d'Europe et de territoire cet après-midi. Mais nous accueillons pour ouvrir cet après-midi à l'invitation de François Barrot et Jacques Moulin, notre ministre de la Transition numérique et des communications électroniques. Cédrico, vous êtes en direct avec nous. Bonjour. Monsieur le ministre, ravi de vous accueillir ici en direct avec tous les participants de l'IDAT de cette édition 2020 particulière, mais bien entendu les organisateurs ont souhaité maintenir cet événement. Les travaux et les commissions ont été très très riches. Je crois que votre ministère ne manque pas d'actualité. Effectivement, avec vous Jean-Christophe, on parle souvent de start-up. Mais là, c'est un petit peu différent. On parle vraiment des infrastructures et de la nécessité de, d'ailleurs, sur laquelle vont naître demain et où naissent aujourd'hui les startups et l'économie, mais de tirer cette infrastructure absolument essentielle, qui est la fibre, qui va d'ailleurs avec la couverture mobile du territoire et qui, d'ailleurs, les chiffres de l'IDAT de cette année le confirment une fois de plus. Montre tout l'effort que le gouvernement fait porter sur cette question de la fracture numérique, de la réduction de la fracture numérique, puisque la France est déjà aujourd'hui le pays qui a le plus grand nombre de kilomètres de fibres qui sont déployés sur son territoire en Europe. C'est aussi le pays qui déploie le plus vite la fibre. On voit que sur la question de la commercialisation, où nous sommes encore un peu derrière l'Espagne, on rattrape assez rapidement notre retard. Je pense que c'est absolument essentiel de pouvoir avancer. D'ailleurs, sur la question de l'infrastructure comme sur la question des usages, on a annoncé il y a deux semaines qu'on déploierait des conseillers numériques, donc des médiateurs numériques sur l'ensemble du territoire pour accompagner les Français dans les usages. Je pense qu'il y a une très grande cohérence entre la priorité qui est mise sur la question de l'économie numérique, du développement des startups, de la numérisation de l'économie jusqu'au commerce de centre-ville. On a vu tout le sujet dans le confinement, enfin qu'on a encore aujourd'hui, et qu'il y a une très grande cohérence à pousser cette numérisation, cette transition numérique, et dans le même temps à avoir en tête cette question de la lutte contre la fracture numérique pour faire en sorte que cette transition numérique, elle concerne l'ensemble du territoire. C'est pourquoi le gouvernement mobilise depuis deux ou trois ans une énergie et un argent, il faut bien dire aussi absolument monumental, pour se placer en tête des pays qui, en Europe, luttent contre cette fracture numérique. Alors, Cédrico, c'est vrai que face à la crise, les moyens ont été mis sur la table, près de 7 milliards d'euros d'investissement dans le cadre France Relance. Est-ce que vous dites aujourd'hui, cette question du haut débit, on parlera peut-être tout à l'heure de la 5G, mais globalement, l'engagement du gouvernement de réduire les fractures territoriales, on avait vu que dans le premier confinement, il y avait celles et ceux pour qui le confinement était plus difficile, quelquefois sur justement des territoires plus ruraux, et qu'aujourd'hui, quand on veut développer le télétravail ou développer des activités numériques, mais finalement, la connectivité est l'enjeu premier. C'est une question même de... Certains ont parlé d'équité, de la république, justement, du numérique. Vous, aujourd'hui, compte tenu des moyens et de ce cap à 2022, vous dites, aujourd'hui, finalement, cette crise, elle va permettre d'accélérer encore plus vite. Et on aura réussi avec cette crise, finalement, d'aller plus vite et plus loin. Je pense que la crise, elle a mis en lumière des tendances qui étaient sous-jacentes et qui étaient déjà présentes avant la crise, mais elle a mis le doigt là où ça fait encore plus mal, c'est que vraiment l'infrastructure numérique, avoir accès à la connexion, c'est quasiment aussi essentiel maintenant que d'avoir accès à l'eau et à l'électricité. Elle nous a conduit avec le Premier ministre et avec Jacqueline Gourault et Bruno Le Maire à annoncer dans le cadre du plan de relance qu'on réinvestirait 240 millions d'euros sur la question de la fibre, ce qui fait au total 550 millions d'euros réinvestis par l'État sur l'année 2020, avec un objectif, généraliser la fibre sur le 100% du territoire d'ici fin 2025, en faire un service universel au même titre que l'eau ou l'électricité. Maintenant, je crois qu'il y a une communauté d'approche avec les associations du secteur, les industriels, pour se dire qu'on s'est mis en capacité de finaliser cette couverture fibrée du territoire d'ici 2025. Cédrico, comment le ministre justement du numérique peut permettre d'apaiser, voire d'avoir une dimension pédagogique? Ici à l'IDAT, l'idée c'est de pouvoir réussir les enjeux numériques, mais quelquefois peut-être en réconciliant les deux mondes. C'est vrai qu'il y a quelquefois de la méfiance, on le voit dans le débat de la 5G, quelquefois de la défiance.
Comment, tout en développant ces infrastructures numériques, nous aurons tout à l'heure l'intervention du président et maire de Montpellier qui sera avec nous, mais également la région Île-de-France, comment peut-on justement rassurer les citoyens de manière à ce que la Startup Nation qu'avait décrété Emmanuel Macron il y a quelques années, mais finalement cette grande nation du numérique soit admise et le plus inclusive possible? D'abord, je crois qu'il ne faut pas se tromper de débat et de priorité pour les Français. Si on regarde les sondages, ou même quand moi je vais inaugurer un pylône en zone blanche, la demande des Français, elle est de plus de connexion. Elle est extrêmement claire, et même quand on regarde les sondages, la majorité des Français, y compris d'ailleurs dans les villes écologistes, sont pour la 5G et pour la transition numérique. Ce qu'ils nous demandent, c'est qu'il y ait une égalité, ou en tout cas une équité, face à cette question de la transition numérique, et c'est qu'on ne les laisse pas seuls face à cette transformation, qui est une transformation extrêmement profonde de notre société. Elle transforme la manière dont on travaille, la manière dont l'économie se déroule, elle transforme notre relation aux autres. C'est pour ça, d'abord, que nous rendons l'ensemble des documents sur lesquels nous travaillons, par exemple, en termes sanitaires, sur la question des mesures d'exposition aux ondes, sur la question des mesures des débits d'absorption spécifiques, des téléphones portables, tout ça est public. Les études de l'ANSES sont publiques. Il n'y a pas un pays qui fait plus d'études que la France sur le sujet. Mais également, je pense que la question de l'accompagnement aux usages, c'est pour ça qu'on a investi sur les conseillers numériques et la médiation numérique, est extrêmement important parce que c'est très bien de parler de technologie, mais si dans la vie des Français, le numérique, c'est un facteur de leur abandon parce qu'en fait, tout devient numérique et qu'ils ne savent pas s'en servir ou ne comprennent pas la manière dont ça se passe, alors c'est très ésotérique. Donc, il faut accompagner la transition. Peut-être là-dessus, Cédrico, vous pourriez en dire un mot. Beaucoup d'internautes qui nous suivent de l'IDAT peut-être n'ont pas vu ou lu en détail France Relance. Il y a une dimension justement très forte dans France Relance, ce que j'appellerais les exclus du numérique. Stéphane Richard, tout à l'heure, qui clôturait cette matinée, évoquait 10 millions d'exclus du numérique en France. Peut-être rappeler les mesures et les actions que vous avez prises dans le cadre du plan. Effectivement, rappeler les chiffres, alors il y a des débats, etc., mais on est à peu près tous d'accord sur l'ordre de grandeur. Ce que dit l'INSEE, c'est qu'il y a un Français sur six qui n'utilise jamais un ordinateur, jamais, et un Français sur trois qui manque de compétences de base en numérique. Donc on comprend toute la difficulté qu'il y a à gérer cette transition numérique. Ce ne sont pas que des personnes âgées, contrairement à ce qu'on peut penser, et vous avez beaucoup de jeunes, d'adolescents qui sont très forts pour jouer à Fortnite ou aller sur Instagram, mais dès qu'il s'agit de faire un CV, de remplir un document Word ou d'envoyer un email, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, on doit accompagner vraiment cette transition dans toutes les classes d'âge. C'est pour cela que j'ai annoncé il y a 2 semaines que le gouvernement allait déployer et financer sur l'ensemble du territoire français 4 000 conseillers numériques. Les conseillers numériques sont des gens qui vont former, accompagner les Français partout sur le territoire, qui vont être financés pendant 2 ans à 100% par l'État avec le concours des collectivités territoriales et des associations qui se déploient. Il n'y a aucun pays qui a réussi sa transition numérique qui se soit passé à un moment d'accompagner et de former sa population. Et c'est ce qu'on veut faire massivement dans les semaines et les mois qui viennent. Cédrico, je voudrais moi terminer cet échange par peut-être 2 enjeux. L'enjeu, on va dire, de la question de l'Europe. L'Europe est très présente derrière vous avec le drapeau européen. Ça nous amène à dire que quand on voit quelquefois les difficultés, mais ça fait le charme aussi de notre pays, c'est-à-dire un pays qui est composé de beaucoup de territoires, avec ses particularités, avec ses courants de pensée. Objectivement, quand vous regardez, et ça sera beaucoup débattu cet après-midi sur les enjeux de la souveraineté européenne, qu'est-ce qui est atteignable dans l'agenda diplomatique et économique que vous pilotez avec vos homologues européens? Qu'est-ce que l'on peut faire de mieux d'ici les 2 prochaines années? Il y a plusieurs éléments. D'abord, je pense que l'Europe doit revenir dans le jeu sur certaines technologies critiques dont elle a un peu raté le premier wagon. Je pense à l'intelligence artificielle, je pense à la question du cloud, et on voit qu'il y a une mobilisation européenne, par exemple avec l'initiative Gaia-X sur la question du cloud, qui est extrêmement importante. Ça nécessite beaucoup d'investissements, mais c'est absolument essentiel, à la fois en termes économiques et en termes souverains. L'Europe doit également investir dans les combats futurs, les technologies d'avenir, et on voit que, par exemple, sur la question de l'informatique quantique, l'Europe a vraiment une carte à jouer pour être au niveau des Américains et des Chinois. Et enfin, je pense qu'il y a
l'autre bout du spectre, j'ai eu l'occasion de le dire, financer la connexion et l'inclusion numérique de tous ses citoyens. Et l'Europe finance d'ailleurs souvent le déploiement de la fibre. J'ai signé hier avec les Pyrénées-Orientales, le département des Pyrénées-Orientales, donc un département assez rural. Département du Premier ministre. Exactement. Je signe avec 21 départements. Je ne signe pas que avec les Pyrénées-Orientales, mais tout hier, c'était les Pyrénées-Orientales. L'Europe finance le déploiement de la fibre. Donc, il y a à la fois ces grands enjeux technologiques, mais aussi le numérique du quotidien. Deux dernières questions, Cédrico. La première, c'est l'actualité d'il y a 48 heures, et vous y avez contribué, vous avez beaucoup travaillé avec le président de la République sur ce sujet, sur cette déclaration de la Tech for Good associant tous les grands acteurs mondiaux. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots le contenu, justement, de cette déclaration et ces démarches avec le président de la République ? Oui, je pense qu'il y a un élément essentiel, c'est à la fois on doit déployer l'infrastructure, on doit investir dans les startups, mais on doit faire en sorte que la technologie montre qu'elle s'engage aussi pour le bien commun et qu'elle est dans le même bateau que tout le monde. Il y a parfois un peu la sensation chez nos compatriotes que voilà, il y a le monde de la technologie puis il y a le monde réel. Donc, c'est très important ce qui s'est passé il y a quelques jours. À la fois on avance la technologie, des textes très importants qui seront présentés la semaine prochaine sur la régulation des grandes entreprises du numérique, mais également qu'il y ait un engagement de ces entreprises pour travailler ensemble à une technologie plus éthique et qui corresponde plus au bien commun. Monsieur le ministre, pour terminer, dans une semaine, la France célébrera le 5e anniversaire de l'accord de Paris, déjà. La COP21, ça paraît à la fois si proche, mais ça fait déjà 5 ans. L'élection de Joe Biden relance quand même le jeu, en tous les cas, de cet accord. Hein, ça redonne, en tous les cas, de l'élan avec tout l'ensemble des pays. Quel est le message que vous souhaitez délivrer à toutes celles et ceux qui vous écoutent, qui veulent rendre cette filière, le numérique, les télécoms, qui soit un secteur de référence et vertueux dans la projection d'une neutralité carbone? Le message, il est double. D'abord, on ne fera pas la transition environnementale sans le numérique. On a besoin d'innover, on a besoin de trouver des solutions. C'est très simple. Il y a de plus en plus d'humains sur cette planète, ils consomment de plus en plus, et on a besoin de réduire cette consommation. Donc, il faut qu'on soit plus efficace, c'est mathématique. Pour être plus efficace, on a besoin d'innover et on a besoin du numérique. Faute de quoi, on sera obligé d'en passer par la décroissance et on sait à quel point ces facteurs de tension sociale et même de tension internationale. Le numérique est indispensable à la transition environnementale, ce qui ne veut pas dire qu'il ne doit pas lui-même faire ses propres efforts, et notamment sur la question des équipements électroniques, notre grand défi collectif, puisque 80% de l'impact environnemental du numérique, ce sont les équipements électroniques, c'est de réussir à allonger la durée de vie des téléphones portables, des ordinateurs, parce que c'est ce qui, aujourd'hui, constitue le plus gros de l'impact environnemental du numérique. Merci, monsieur le ministre. Merci, Cédrico. On vous attend l'année prochaine en physique. Merci. À la même heure, merci d'avoir ouvert cet après-midi. Merci à vous. Avec plaisir.